Les échecs sont le jeu par excellence pour les enfants. Alors je ne dis pas ça uniquement parce que j'ai appris à jouer à 4 ans, mais parce que ce jeu a le mérite d'être à la fois ludique mais aussi artistique dans la beauté du jeu et dans les choix à prendre et scientifique dans l'apprentissage de la pensée. Et est-ce que ce n'est pas fantastique d'avoir tout ça au même endroit, ludique, artistique, scientifique? Cependant, force est de constater que peu de parents réussissent à transmettre cette passion à leurs jeunes enfants. Et que plus à tort, que leurs enfants ne sont pas faits pour ça. Que nenni! J'ai enseigné le jeu d'échecs à toutes les tranches d'âge. Même en maternelle, avec 12 bambins de 5-6 ans dans une salle de classe, 2 heures par semaine, sur un trimestre seulement. Oui, l'apprentissage des échecs est possible en groupe. Je l'affirme, j'ai les preuves. Alors imaginez ce qui est possible de faire si vous avez juste votre bout de chou. Voilà une liste d'erreurs que j'ai pu observer et parfois moi-même commettre quand il s'agit d'initier les enfants aux échecs. Alors, même si cette liste se veut exhaustive, j'en ai certainement oublié. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit. Voilà, erreur numéro 1, considérer les échecs comme un simple jeu. Les jeux de société classiques sont accompagnés d'un livret de règles qui délimite le cadre et tout le savoir nécessaire pour pouvoir jouer. Eh bien, les échecs ne sont pas un jeu. Croire qu'il faut d'abord que l'enfant connaisse toutes les règles pour pouvoir jouer est une bêtise. On ne propose pas à un enfant d'apprendre à jouer aux échecs pour passer le temps. On lui propose de découvrir un univers, de s'en faire un ami pour la vie. C'est la promesse de vivre des aventures passionnantes tout au long de sa vie. Dans sa vie, qu'importe les changements et l'évolution de la société, les échecs seront toujours là, toujours aussi riches et mystérieux. On n'apprend pas la peinture en faisant le tour de toutes les techniques possibles. On donne un pinceau, 3 couleurs et on propose une activité. Et petit à petit, on va en profondeur. Les échecs sont un art comme la peinture. On procède d'autres de la même façon. On présente seulement le minimum, juste un pinceau et quelques couleurs, donc juste une tour et un fou, par exemple. Cela suffit pour explorer l'échiquier, vivre des aventures, comprendre l'intérêt de ces pièces, comprendre comment elles peuvent communiquer. Évidemment, il est possible d'apprendre tous les déplacements des pièces en une séance, et même la notion d'échec et mat, le rock, voire la prise en passant. Mais quel est l'intérêt? Lorsqu'enfant, j'ai appris à jouer de la batterie, on ne m'a pas fait taper sur tous les tomes et cymbales dès le début. Non. J'avais uniquement la caisse claire, et j'en ai passé des séances à taper sur la caisse claire. C'était déjà suffisant. Il existe des mini-jeux sur échiquier pour explorer chaque pièce et qui se jouent à deux ou tout seul. Des puzzles à résoudre, voire des jeux plus élaborés comme résoudre des messages secrets grâce aux pièces. Donc, on ne propose pas à l'enfant d'apprendre un nouveau jeu, mais de l'initier à une nouvelle discipline, à la fois ludique, artistique et scientifique. Bien sûr, c'est le ludique qui doit primer, mais ne vous sentez pas frustré de passer toute une après-midi à jouer avec seulement la moitié des pièces. Un jeu simple consiste à mettre un volcan au milieu de l'échiquier, symbolisé par quelques pions. Les cases sont ainsi inaccessibles là où il y a le volcan. Vous avez chacun une tour et un fou, dans un coin de l'échiquier. Vous devez faire le tour du volcan avant l'adversaire. Ensuite, vous pouvez changer la taille et la forme du volcan, jouer avec d'autres pièces, autoriser la prise. Voilà, un jeu tout simple comme celui-ci peut être décliné de multiples façons. Erreur numéro 2, faire exprès de perdre. Votre enfant n'a peut-être pas tout à fait la détermination que vous espérez voir chez lui ou chez elle. Alors vous vous dites, pour l'encourager, vous pouvez de temps en temps le laisser gagner afin de maintenir sa motivation. Et si l'intention est louable, dans les faits, ça s'avère plutôt contre-productif. Il est de coutume de dire qu'on devient grand le jour où on bat son papa aux échecs. Mais si cette victoire est offerte, quel intérêt? À vaincre sans péril, au triomphe sans gloire. Ne vous laissez pas battre. Il y a deux éléments importants. D'une part, l'image que votre enfant a de lui-même. Et d'autre part, ce sentiment de satisfaction personnelle. Le tout forme la confiance en soi. En laissant gagner volontairement son enfant, on espère qu'il développe une meilleure image de lui, qu'il éprouve de la satisfaction issue de sa partie, et qu'ainsi il continuera à vouloir jouer et progresser. Le problème, c'est qu'il finira par remarquer que le résultat du match n'était pas loyal. Et ainsi, il risquera à un moment ou un autre d'être déçu de lui-même. À mon avis, le contre-coup de cette prise de conscience est trop élevé par rapport aux bénéfices apportés. Surtout qu'il existe d'autres manières d'aider un enfant à prendre confiance aux échecs. Pourquoi faire exprès de perdre?
alors qu'on peut se battre avec panache tout en permettant à notre enfant de prendre confiance en lui. Alors voici quelques possibilités qui permettent de préserver votre intégrité et de renforcer la confiance de votre jeune adversaire. Déjà, vous pouvez le faire entrer en compétition avec lui-même. Oui, c'est bien la seule compétition réellement intéressante, devenir meilleur que la veille. Pour cela, il doit améliorer un record personnel. Par exemple, le fait de résoudre une série d'exercices plus rapidement que la dernière fois. C'est important que les exercices soient les mêmes. Réussir à jouer une partie à l'aveugle un coup plus loin. Ou alors augmenter son elo sur un site de jeu en ligne. Alors attention, l'elo n'est qu'une moyenne sur une période donnée. Cette dernière, évidemment, dépend aussi de l'adversaire et non juste de la progression de votre enfant, donc à manier avec précaution. Vous pouvez aussi jouer contre lui à un jeu avec déséquilibre. Par exemple, les blancs ont 8 pions et les noirs ont juste un cavalier. Les blancs doivent promouvoir un maximum de pions. Le promouvoir, c'est transformer un pion en dame en le faisant arriver sur la dernière rangée. Plus il y a de pions promus, plus ça rapporte de points. Et avec les noirs, avec le cavalier, vous allez vous défendre du mieux que vous pouvez. Donc votre enfant va gagner, forcément. Mais il va pouvoir petit à petit essayer d'améliorer le nombre de pions promus. Et puis vous, vous vous battez avec panache, vous êtes bien obligé. Donc voilà, ce n'est qu'un exemple, il existe plein de possibilités parce que le jeu d'échecs est extrêmement riche. Vous pouvez aussi faire une partie avec handicap. Alors ça, c'était une pratique courante il n'y a pas si longtemps. Forcément, à l'époque, lorsqu'on avait battu tout le monde dans son village, dans sa ville, dans sa région, comment faire pour continuer à jouer avec de l'enjeu si on arrivait à battre tout le monde? Eh bien, on rajoutait l'handicap. Par exemple, le joueur le plus fort avait un pion en moins, ou une tour, ou une pièce quelconque. Lorsque j'ai appris à ma compagne à jouer aux échecs, il y avait deux possibilités. Soit je jouais à l'aveugle, et elle avait l'échiquier, comme ça moi j'entraînais ma visualisation et ça me permettait de progresser. Soit je jouais avec handicap. Ça veut dire que j'ai commencé en enlevant les deux tours et la dame, et au fur et à mesure qu'elle gagne, eh bien je diminue l'handicap. Donc voilà, soyez digne, ne laissez plus les jeunes gagner. De toute façon, ils deviendront bien assez vite, forts, plus forts que vous. Ça viendra déjà assez vite. Erreur numéro 3, reprocher à l'enfant de ne pas être attentif. Quand vous allez au cinéma et que le film vous ennuie, est-ce que vous vous reprochez d'avoir un mauvais goût? Ou alors est-ce que vous vous dites que le réalisateur aurait pu faire mieux? Ou bien simplement que ce n'était pas le bon jour? Peut-être que pour les autres spectateurs et spectatrices, ce film n'est pas du tout ennuyeux, mais que vous, vous avez besoin d'un film d'action et non d'une comédie musicale. Si votre enfant n'est pas attentif, ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas non plus de la faute des échecs, ni de la vôtre d'ailleurs. Les échecs vont développer la concentration, la discipline, la capacité à prendre du recul, le courage de prendre des décisions. Mais tout cela prend du temps. Si votre enfant s'ennuie, c'est uniquement un problème de rythme. C'est une histoire de rythme. Le rythme de votre enfant dépend de sa personnalité, de ses besoins et de ses envies à ce moment précis. J'ai souvent tendance à dire qu'il y a deux grands types de rythme chez un enfant face à un échiquier. Le Louis de Finesse et le Clinestude. Autrement dit, le petit agité qui a toujours le temps d'avance sur tout, Louis, et l'observateur, qui finit par s'ennuyer de sa propre lenteur, le Clint. Rien n'est gravé dans le marbre. Cependant, si votre petit est en mode Louis de Finesse, et que vous lui servez de Clint Eastwood, ça risque de ne pas bien fonctionner. Et inversement, l'alchimie n'y sera pas. Si vous êtes décalé par rapport au rythme de votre enfant, alors il ou elle risque de se désintéresser des échecs au moins pour la séance du jour. La solution? Observez votre enfant. Prenez la température de son humeur du jour. Cela ne veut pas dire que vous allez tout sacrifier pour coller à ce rythme. Mais avoir conscience de son rythme vous permettra de savoir comment faire si votre enfant semble décrocher. Reprenons l'histoire du film au cinéma. Celui qui vous ennuie. Si au cinéma il est difficile de changer de salle une fois le film commencé, aux échecs tout est possible. Un enfant qui s'ennuie, ce n'est jamais de sa faute. Plus tard, en grandissant, oui, en tant qu'adulte, il sera responsable de son ennui. Mais pour l'heure, face à un échiquier, c'est impossible de s'ennuyer si les adversaires réussissent à se connecter l'un à l'autre. Alors ça va être votre job d'adulte de faire des essais, de sentir son humeur évoluer, d'impulser un rythme un peu plus lent ou un peu plus rapide. Il est peut-être temps de passer à un autre mini-jeu ou de lui donner 5 minutes pour faire la construction la plus audacieuse possible avec les pièces afin que vous puissiez la prendre en photo. Peut-être que c'est le moment de lui proposer un jeu, un mini-jeu ou une partie
qu'il ou elle connaît par cœur pour que ce soit à nouveau facile. Ou serait-ce le moment de lui proposer de mettre ses mains sous ses fesses pour l'aider à se reconcentrer sur le plateau? Ça marche plutôt pas mal. Des possibilités, il y en a plein. Et j'en parle dans le programme d'ailleurs Ninja des échecs, qui est dédié spécialement à l'apprentissage du jeu d'échecs pour les enfants. Donc l'ennui est un problème de rythme. Ce n'est ni un problème d'enfant, ni de sujet. En tout cas, pas avec les échecs. Ce n'est pas forcément un rythme trop lent, comme on pourrait le croire. Parfois, l'enfant a besoin de passer du temps sur le même concept, le même mini-jeu. Si on change d'activité trop vite, il va se fatiguer et pour se protéger, l'ennui va venir. Donc souvenez-vous de ça, votre enfant est parfait et les échecs aussi. Erreur numéro 4. Imposer au lieu de proposer. Certaines idées reçues ont la vie dure. Et en particulier le fait de croire que la vie est dure. Croire qu'il faut faire des efforts même si on ne le souhaite pas. Il faut savoir souffrir pour accomplir des choses. Et le plus tôt sera le mieux. Ces idées traversent les générations, même si des études montrent qu'elles n'aident pas les enfants à se construire et donc pas non plus les adultes qu'ils seront un jour. Ma petite décennie dans l'animation auprès d'enfants m'a enseigné ceci. Imposer ne fonctionne pas, ou pas longtemps. Quelle est la meilleure manière pour que votre enfant ait envie de jouer aux échecs? Qu'il y ait un échiquier qui traîne dans le salon, pardi, et dans sa chambre, dans les toilettes, dans la cuisine, et un échiquier géant dans le jardin, bref, partout. Et bien sûr, que vous y jouez. La pomme ne tombe jamais loin du pommier. Si les parents lisent souvent des livres, leurs enfants vont avoir envie de lire. Si vous voulez que votre enfant kiffe les échecs, la meilleure technique consiste à montrer vous-même de l'intérêt pour ce jeu. Pourquoi votre enfant aurait envie de découvrir quelque chose qui ne semble pas vous intéresser? Je vous rassure, pas la peine d'être complètement mordu pour rendre les échecs attirants. Les pièces d'échecs ont un attrait assez étonnant sur les enfants. Ce sont après tout comme des figurines, on a envie d'y jouer. J'aime bien laisser traîner un échiquier bien visible quand des amis viennent à la maison avec leurs enfants. Ça finit toujours par mordre à l'absent. Oh maman, il y a un jeu d'échecs, on fait une partie? Demande plutôt à Michael. Et comme Michael, c'est moi. Voilà, je peux jouer à l'aveugle contre l'enfant. Lui, il est étonné, il prend du plaisir. Moi, ça me permet de bosser parce que je le fais à l'aveugle. Lui, il a l'échiquier et il va s'en souvenir longtemps. Donc rappelez-vous ce proverbe. On ne saurait faire boire un âne s'il n'a pas soif. Alors, je ne compare pas votre enfant à un âne, rassurez-vous. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas forcer un enfant à jouer, obliger à jouer. Le jeu ne peut pas être forcé. Donc, on propose, on dispose, on inception, comme dans le film, mais on n'impose jamais. Vous méritez mieux que ça et votre enfant aussi. Erreur numéro 5. Oubliez de parler des super-héros et super-héroïnes des échecs. Mais oui, il y a des super-héros et des super-héroïnes dans les échecs. Magnus Carlsen, par exemple. Champion du monde depuis 2013, qui est devenu le king du jeu champion du monde à 22 ans. 22 ans! C'est le plus jeune champion du monde des échecs de l'histoire. Judith Polgar, la cadette de 3 joueuses d'échecs, 3 sœurs joueuses d'échecs, et qui est devenue 55e mondiale à l'âge de 12 ans et demi. Elle a parfois été surnommée la reine des échecs. Elle devient grand maître à l'âge de 15 ans et 5 mois. Elle a battu le record qui était détenu par Bobby Fischer. Timur Gareyev, il a battu le record du monde de parties jouées à l'aveugle en simultané. C'est-à-dire 48 adversaires en même temps, 48 échiquiers. Lui, il ne voit pas les échiquiers. Aucun des 48 échiquiers, tout est dans sa tête. Et il a réussi à remporter plus de 80% des parties. Tout cela en faisant du vélo d'appartement. Genre, ça l'aide à se concentrer. Ça a duré 20 heures. Il a réussi. Vera Menchik, première championne du monde d'échecs féminin en 1927. Elle a également participé à plusieurs tournois d'échecs avec certains des plus forts maîtres masculins de l'époque. En 7 tournois, à la suite, 83 parties, elle a gagné 78 fois. Seulement 4 nuls et 1 défaite. Et Paul Morphy, joueur du 18e siècle, il était si fort qu'il a joué une grande partie de ses parties avec un handicap, un pied en moins. Suzanne Polgar, oui j'ai déjà parlé d'une Polgar avant, et bien c'est sa sœur, elle ça a 15 ans, elle a battu de quelques mois la meilleure joueuse mondiale au classement FIDE. En 91, elle est la première joueuse du monde à avoir obtenu le titre de grand maître selon les critères officiels. Et Bobby Fischer, bien sûr, dit le gamin génial, qui quasiment tout seul a battu l'URSS, qui dominait le jeu depuis des années. Il est venu avec son livre et son toupet, il avait un sacré toupet.
là où l'URSS avait des équipes entières de champions. En 72, il est devenu champion du monde. Année historique pour les échecs. Et puis Fiona Mutesi, une joueuse ougandaise, originaire d'un bidonville où rien ne semblait la prédestiner aux échecs. Elle découvre les échecs à l'âge de 9 ans environ grâce à un programme géré par l'Institut de sensibilisation au sport. Elle apprend à lire la même année et hop, venant d'un bidonville, elle arrive à représenter son pays aux Olympiades d'échecs de 2014 et 2016 et il y a même eu un film produit par Walt Disney, La Dame de Katwe, sur son histoire. Des super-héros et des super-héroïnes, il y en a des tas. De quoi faire un Marvel Universe spécial échecs. Et les enfants adorent les histoires, rêver, se projeter, frissonner. Donc les échecs ne sont pas un jeu poussiéreux, c'est un univers avec ses héros et ses intrigues, que ce soit des histoires inventées ou les vraies histoires, avec de politique, artistique, vraiment il y a plein de choses. De voilà, rendre les échecs vivants. Erreur numéro 6. Croire que les échecs sont un jeu de garçons. En regardant les compétitions, une très grande majorité des participants sont des garçons. En regardant le top mondial, les filles sont extrêmement rares. Les échecs, ce serait pour les garçons? Après tout, il faut de la combativité, du calcul mental et de la visualisation spatiale. Des qualités plutôt associées aux garçons. Bon, arrêtons tout de suite les conneries. Oui, il y a une différence aujourd'hui en termes de nombre et de force entre les garçons et les filles. Non, ce n'est pas biologique, juste culturel. Et oui, là où le petit garçon va être encouragé à passer les dimanches à faire des tournois, la petite fille va plutôt rester à s'occuper de la maison. On n'imagine pas une maman partir presque tous les dimanches loin de ses enfants pour jouer. Alors que le papa, il n'y a pas de souci. Et puis, les filles qui vont tout de même s'intéresser aux échecs, ne se faisant pas beaucoup d'amis, parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles justement, finissent par arrêter. Bref, c'est un cercle vicieux. Uniquement culturel, la situation change petit à petit, et c'est tant mieux. On peut regarder par exemple les sœurs Polgar, encore elles, trois super filles, super badass aux échecs. Tout ça parce que leur papa a décidé de prouver au monde que le génie, c'est surtout de la chi. Et cela a marché. Bon, erreur numéro 7. Croire qu'il faut être fort en maths et en calcul mental. Évidemment, et il faut forcément porter des lunettes aussi, sinon ça fait pas assez intello. Vous savez que les ordinateurs calculent mieux que les humains, aux échecs, depuis les années 60 environ. Or, le premier ordinateur à battre Garry Kasparov, le meilleur joueur d'échecs à l'époque, c'était en 97. En gros, ils ont pris 40 ans, les ordi. 40 ans où ils étaient mieux en calcul mental. Garry Kasparov, qui a fini par perdre contre Deep Blue d'IBM. Alors pourquoi les machines n'ont pas réussi à gagner avant? Parce que les échecs, ce n'est pas juste du calcul. Même les meilleurs joueurs d'échecs ne calculent pas plus loin que quelques coups, sauf vraiment si c'est nécessaire. Non, les échecs, c'est certes du calcul, mais aussi de l'imagination, de la créativité, du courage. Il faut de l'imagination et de la créativité pour sentir les faiblesses adverses et trouver un plan. Du courage pour oser provoquer la faute chez l'adversaire ou lancer une attaque. Bref, oui, il faut calculer, mais non, ce n'est pas la composante la plus importante, ni la plus difficile à acquérir. Au piano, le plus important n'est pas de pouvoir bouger ses doigts séparément, ça c'est la base. Mais cela ne fera pas de vous un grand musicien, un grand pianiste. Tout le monde peut apprendre à utiliser ses doigts pour jouer du piano. Mais devenir réellement un musicien, cela demande des qualités diverses. Et c'est comme pour les échecs. Erreur numéro 8, gronder l'enfant. Les échecs sont un jeu. Pas seulement un jeu, mais un jeu tout de même. Et un enfant ne peut apprendre qu'en jouant. Pour maintenir l'enthousiasme, il n'y a pas de place pour les reproches ou pour la gronderie. Néanmoins, parfois, vous avez envie de dire « Mais 1 000 000 000 sabords, tu vas perdre ta dame si tu la mets ici !» Alors comment faire? C'est simplissime. Mais encore fallait-il y penser. Vous allez gronder, non pas votre enfant, mais les pièces de votre enfant. Vous prenez, hop, qu'est-ce qu'on a ici? Hop, on a une dame. Vous prenez la dame impudente de votre enfant et vous dites « Mais tu ne serais pas un peu siphonné, toi? T'es vraiment sûr de vouloir aller là? Si tu vas sur cette case, hein, tu vas te faire bouffer toute crue, hein? Après, tu fais comme tu veux. Hein. » Voilà, vous lui rendez la pièce. Ça vous permet de faire passer vos nerfs, c'est très bien. Et l'ego, l'image de votre enfant ne sera pas fragilisée. Erreur numéro 9, les jugements et comparaisons. Nous sommes là clairement dans un domaine plus large que le simple cadre des échecs. Aujourd'hui, on peut sans risque affirmer que les jugements et les comparaisons, loin de pousser un enfant, ou un adulte d'ailleurs, à donner le meilleur de lui-même, fragilisent sa confiance en lui. Or, plus on a confiance en soi, plus on se sent libre d'essayer. Plus on essaye, plus on fait d'erreurs,
Et plus on fait des erreurs, plus on progresse. Erreur est égale progression. La seule compétition qui compte vraiment, c'est celle entre soi et soi. Les comparaisons n'ont pas de sens. Chaque enfant progresse à son rythme. Et avancer moins vite que le voisin ne signifie pas qu'il ne sera pas meilleur dans 5 ans. Tous les scénarios sont possibles et c'est très bien. Alors oui, ce n'est pas facile dans la vie de tous les jours. Sachez que de l'enthousiasme de votre enfant dépend sa progression. Il aura donc besoin de toute votre bienveillance pour se sentir libre de faire des erreurs et d'être lui-même. Il y a quelque chose de sacré dans les échecs. Tout le monde peut y jouer et être soi réellement. Une citation de Michel Ross. On entre au jeu d'échecs comme on entre en religion. Pour le joueur d'échecs, la partie d'échecs, c'est l'office, la messe, le défilé du 1er mai, le dépôt de gerbes au monument aux morts. C'est un drame sacré. Et donc, s'il y a quelque chose de sacré, ben, on ne peut pas juger, on ne peut pas comparer. Ça n'a pas de sens dans le sacré. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo avec toutes ces erreurs. Je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire si ça vous est déjà arrivé, toutes ces situations-là. Et pourquoi pas aller découvrir le site Chess Velorum. À très vite.